Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3. On est avec Gaelden. Salut Gaelden. Salut tout le monde. Et on allait se faire une petite armée, une petite bataille légendaire d'aventure. Ah, qui serait quand même une défaite valeureuse, soi-disant. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de renfort, certes. Des sanguinaires exaltés. Des faucheurs de sang. Des élus de cornes. Hôtel de guerre du chaos, du minotaure, de la gargouille. Bon, je pense que ce qui va être compliqué, ça va être l'objectif. On va voir, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais là, le combat en tant que tel, je le vois pas compliqué, quoi. Honnêtement, enfin, ça va être une belle bataille, mais je le vois pas compliqué, quoi. Eh bien, nous verrons. Ouais, de toute façon, c'est le scénario qui compte. Bah oui, c'est ça. C'est sûr que s'il faut courir à travers toute la map, parce qu'il faut aller chercher un truc et tout, avec nos petites jambes de nain et notre artillerie, c'est pas la même, mais... Ouf. Alors, un buveur de sang exalté ayant prêté serment au seigneur du meurtre n'existe que pour souiller de ses mains avec le sang des innocents. Et plus maintenant, Malakai Mikaxon avance pour faire pleuvoir le feu sur la bête et son armée infernale, ses canons orgues parfaitement calibrés pour déchirer la chair démoniaque des laquais de cornes. Précédé par l'écho de l'artillerie, le tueur ingénieur montrera au dieu du meurtre que ce monde ne succombera pas au désir d'un dieu du chaos sans résistance, à moins qu'il ne trouve son destin funeste en premier. En gros, on va péter des culs, quoi. Avec des canons orgues. Ouais, les canons à orgues dans les ponts, là, c'est abusé d'avance, quoi. Il y a moyen que ce soit sale. J'ai mal pour lui d'avance, quoi. Si l'objectif c'est juste d'attendre. Ouais, si c'est attendre que les mecs arrivent, ouais, c'est le... Faites-leur quelques trous pour calibrer les canons. J'aime ce concept. Ah, c'est sûr que ces discours, c'est pas de ceux de Karl Franz, hein. C'est simple, efficace, à l'essentiel. Et ces gens sont parfaitement sains d'esprit, en tout cas. Alors, en gros, il faut qu'on tue les premières unités pour attirer le buveur de sang. Ça va être dur. Bon bah, oui, je pense que ça devrait aller. Je te donne pareil l'artillerie. Je te propose un déploiement plus ou moins symétrique de l'artillerie de chaque côté, et puis moi je tiens l'avant. Hein. Ok. Si ça te convient. Ça me convient. Alors eux ils sont bons quand ils sont avec des potes. Lui il est bon quand il est avec des potes, donc on va le laisser là. Vous allez tenir ce flanc avec ça. Je suis blessé. Ça. C'est long. Ah, parce que je sépare mes unités en deux dans ma barre de... Bah oui, couple, normal. Du coup c'est un peu plus long. Je vais plus. Là, il va y avoir des minotaures, donc on va mettre un mec à armes de chaque côté. Toi tu viens là, toi tu viens là, hop. Ok, on a le départage, donc on va aller se poser. Par ici, on va mettre le devant. T'as moyen de recharger les munitions à un moment d'un personnage qui fait ça? J'ai Malakai, mais il le fait que sur l'artillerie. Est-ce que les gyrocoptères c'est considéré comme de l'artillerie ou pas? L'unité c'est est de l'artillerie ou une machine de guerre. D'accord, donc ça le ferait. Machine de guerre volante, parce que, ouais, ça le ferait. Parce qu'en fait, en termes de munitions, ça... Ça va vite, ouais. Ça va assez vite, ouais. Je peux le faire 3 fois, et ça dure 17 secondes. Ok. Et en plus, ça soigne. Bon. Enfin, quoi que c'est, niveau de soins par seconde réapprovisionne les munitions, donc c'est peut-être 1% de... Oui, ça doit être... Tout. Ok, bah tu peux lancer. C'est parti. Boum, boum, boum. Sur ce côté-là. Hop.
Range first! Range first! Nothing can stop us! Who's getting lumped? Slayers! Moving out! Ok, les renforts ennemis sont en approche, ils arrivent de derrière. Enfin, de... du bon côté, on va dire. Oh non! Tamar, le sanguinaire arrive! Craig inquiet. C'est terrible, ils sont presque au contact. Ah. C'est pas gentil de se moquer. C'est vrai. C'est vrai, la bataille n'est pas finie, il y a quand même du monde qui arrive, là, les élus de corne et tout à l'arrière, ça va pas être les mêmes. Et tu me fais un petit refil sur les gyros, s'il te plaît. C'est parti. Merci. Oh, il s'est tellement fait défoncer, waouh. C'est les dracs qui ont fait ça? Je sais pas, mais... Avec le broyeur d'âme à droite, il se fait dérouiller aussi, il arrive même plus à se relever, quoi. C'est, je suis là, je suis plus là. On me voit, on me voit plus. Oh la vache. Je crois qu'on a perdu des troupes, mais c'est des tiramis, quoi. Les tiramis souffrent. Pardon. Ok, les dragues de fer, ça fait le taf quand même. Hein. Ah oui, non, mais c'est, ça peut être très 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 fort. Hein. C'est Alors, il y a un mec qui charge de la ruine. Est-ce qu'il va lui arriver la même chose? C'est abusé. Ah la vache. Oh non, mais... c'est scandaleux, quoi. Si tu veux un refil, tu passes. Hein. Ouais, j'ai bien compris. Bah, d'ailleurs, je pense que je vais... Oh putain. Je vais repasser. Je vais peut-être même aller re-remplir un peu les canons à orc derrière, là. Ouais. Attends, j'ai encore 40 secondes de recharge, excuse-moi, sur cette compétence. Donc non, je vais le garder pour les gyrocoptères, je pense. Vas-y, je veux bien. Ah, ils vont arriver au contact, là. En voilà d'autres. Wouhou. Sanguinaires vont arriver au contact. Ah, ils n'ont plus de munitions, les tueurs, de toute façon. Ah non, pardon, ils sont arrivés au contact, en fait. Philippe, ah. Gautrek, il a commencé à avancer, c'est terminé, quoi. Bah, je pense que oui, là, du coup, ça va être les ultimes, entre guillemets. T'as pu recharger ou pas encore? Il me reste 9 secondes. Ok. Là, tu peux cibler le buveur de sang, je pense. Yep. Ça y est, j'ai pu recharger. T'es où? T'es là. Oh là 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 là. Un combat glorieux. Un glorieux combat. Ouais. Ah bah oui, non, c'est les dragues de fer. Ah ouais, les dragues de fer, là, ils piquent. Un combat c'est glorieux, dragues de fer. Mais cela dit, meurtrier. Mais rapide. Mais rapide, exactement. Ah, il y en a un autre qui arrive là. Y en a... Ouais, c'est l'exalté celui-là. Bon, je vais shooter les gargouilles en attendant. Voilà. J'oriente les canons dessus. Allez, les petites munitions magiques. J'ai pris cher. Ah oui, il y a un deuxième buveur de sang qui arrive. Non, non, il arrivera pas, mais... Il y en avait trois en tout. D'accord. Ouais, mais je pense que quand on aura éliminé celui-ci... Ça va, ça va. Allez, Phoenix, c'est l'heure d'y aller. C'est bon, c'est fini. Il n'était pas digne. Il n'était pas digne. Il n'était pas digne de nos munitions. Ah, j'ai même pas invoqué l'esprit du Grand Geek. J'ai oublié. J'ai oublié qu'il était là. J'ai fait un bouton et j'ai oublié. Ah, le en fournaise le pèlerin rouge qui a réussi à atteindre le contact. Voilà. À la dernière seconde.
aléatoire héroïque. Bon bah, ça passe. 33 pertes. Ah putain, j'ai abusé quoi. Et 33 pertes, 200... je pense que c'est du tir à mi en plus. Les canons orques 295 et 340 quoi. Ah ouais, non mais c'est... Les dragues de fer, dégâts infligés, 9368. 84 et victimes. Moi, oh là 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 là. Non mais c'est les canons orgues hein, qui font... les canons orgues, ils ont fait mal, ouais. Ah, les canons de base, ils sont honnêtes aussi, hein, cela dit, mais... Enfin, tout le monde a bien travaillé, hein. Toutes les unités de tir, les tueurs, même avec leurs petits pistolets, ils ont fait tellement mal, quoi. Ouais, ce qui est bien, c'est que j'ai pas trop eu à les gérer, hein. Je les ai posés, puis j'ai laissé le tir, le tir automatique faire. Ah ouais, ça... J'ai juste tiré les gyrocopters. Bon, bah, on va être bien pour enchaîner sur un petit démon patate, je pense. Oui, du coup, c'était censé être une défaite, c'est ça? C'était défaite valeureuse, ouais. Bon, défaite valeureuse, normalement, ça peut se changer, mais bon, à ce point-là, j'avoue, je m'attendais pas. T'étais pas prêt? Non, j'étais pas prêt. Rune de fournaise, donc il faut le mettre un... Ah, c'est un étendard, ok. Étendard runique, très bien. Et du coup, bah, on a lancement de gyrocopter. Invoquer une unité de gyrocopter. Très bien. Pourquoi pas. Et on peut débuter une autre aventure. Alors, on peut booster les gyrocopters. Des faucheuses de gobelins. Ah, faucheuses de gobelins, on tape des orques, ça peut être rigolo. Récompense de bataille légendaire. Nombre d'utilisation de capacité de l'armée, plus 1 pour la lance de Grungy. Et pour l'esprit de Grungy. C'est abusé. Le truc des vampires, munitions de type bombe enflammée pour l'esprit de Grungy. C'est abusé. Comme déjà c'est pas très très fort, il faut bien le booster un peu. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut en vrai? Est-ce qu'on veut... des gyrocoptères. Est-ce qu'on veut des faucheuses de gobelins, des gyrobombardiers ou des canons à flammes? Putain, ils ont 240 de portée les canons à flammes quand même. Hein. Waouh. Instaurer la diplomatie avec l'Empire ou qui se lève, ça me paraît faisable. Mener une enquête sur les nobles de l'Empire. Rigolo. Bah, ça donne envie de toutes les faire, hein, j'avoue. Alors, je sais pas si on les fera toutes en vidéo, mais ça donne envie de toutes les faire. Hein. Mais je pense que vu ce qui nous arrive dessus, la petite faucheuse de gobelins contre les orques, là... Alors on aura quoi? Déploiement de l'avant-garde pour les faucheuses de gobelins. Ouais, traqué pour les faucheuses de gobelins. D'accord. Attends, l'artillerie avec traqué, quoi. De l'expérience, du recrutement et parfaite vigueur pour les faucheuses de gobelins. Ouais, c'est pas si ouf en fait. J'ai bien envie de prendre les gyrobombardiers en vrai. Bombe incendiaire pour les gyrobombardiers. Bombe incendiaire martel céleste pour l'escouade du martel céleste de type gyrobombardier, ok. Sauvegarde invulnérable. Ça c'est la résistance ultime ça. Et on gagne la gemme carmin. Il donne la faim. On peut avoir la fin sur un de nos persos, quoi. Pourquoi pas? Eh ben, je pense qu'on va faire ça, ouais. Tiens, allez, des petits gyrobombardiers, là. Affronter des hordes de morts vivants, combattre dans des zones de corruption empirique. Ah ouais, non, ça, du coup, c'est plus possible. Affaiblir le pouvoir nécromantique. En fait, non, enfin, oui, c'est compliqué. Ah, maintenant, c'est compliqué c'est... là où on est, ouais. C'est compliqué, il y a juste... Il y a juste, si t'arrives à récupérer le pinacle d'argent... Mais même là, ce sera compliqué. Ouais, donc c'est pas forcément idéal. Là, il faut combattre dans des climats. Après, c'est que une mission hein, dans tout, hein, mais on sait pas quel bonus on aura pas du coup. Là, sur celle-là, combattre dans les terres désolées, ça nous donnait quoi? Le gain d'expérience 25%. Oui, donc on pourra avoir le gain d'expérience 25%. On va prendre ça. Des petits gyrobombardiers. Allez, c'est parti.
Alors, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Tuer 1000 ennemis avec des gyrobombardiers. Ok. Affronter une armée menée par un seigneur lanceur de sorts. Ça devrait aller. Alors, 5 batailles contre les contes vampires, la côte vampire ou les rois des tombes. Ouais, ça va être compliqué. 25% d'expérience, bon, à la limite. Avec votre allié en coopération, maintenez un total de 4 unités de type gyrobombardier. Très bien. Combattez les armées de morts-vivants qui sont indiquées. Permet des attaques magiques. Waouh. Et livrer 4 batailles dans une région avec une corruption empirique de moins 50, c'est 5000 balles et 100 serments d'or. Ouais, donc c'est pas très grave si on l'a. Non, c'est pas très très grave. Ok, ok, ok. Très bien, parfait. Et bah écoute, hop. On va se mettre en campement ici. Toi, t'as bougé, t'as bougé. Du coup, on s'est fait un petit peu de sous. Est-ce qu'on se lance du recrutement ici? Déjà, on pourra recruter genre 2 gyrobombardiers pour nous aider. Ça me paraît franchement pas mal comme idée. Et puis on va mettre. On va virer le drac de fer et prendre des gyrobombardiers chez notre ami là. Est-ce que je le vire ou est-ce que je le file à quelqu'un? M'embête de le virer quand même. Il a quand même bien fait le taf, il est rang 5. Bon, on va le garder pour le moment, c'est pas pressé. Toi. On va te prendre, ouais, quelques tireurs. On va te prendre 2 arquebusiers. On va voir s'ils décident de nous attaquer ou pas. S'ils décident de pas nous attaquer, bah du coup ça fera toujours un petit recrutement de plus. Alors, on a des points de compétence. Ah bah oui, tout le monde a pris des niveaux, bien sûr. Bien évidemment. Ça, ça fait quoi? Ouais, ça, c'est pas très utile pour toi. La bombe à sous-munition à propulsion de cendre. J'aime le nom de ce truc. Projectile magique. Allez, on prend. Non, mais il faut se laisser, il faut se laisser prendre par le côté sexy des trucs, quoi. Allez, tiens, on va prendre tueur de zombies et tueur d'or pour Gotrek. Pas de mabou dans cette armée, c'est naze. Et avec 1000 balles, on peut améliorer un bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1000 balles? On pourrait faire que dalle avec 1000 balles. Ah, on peut faire un peu de thunes. Ouais, mais c'est la ville qui va potentiellement se faire prendre, donc ça m'intéresse pas. Pas un endroit. Voilà, genre par là par exemple, qui serait vert, où on pourrait faire des choses. Ouais, un peu d'économie, et en vrai je me demande si on n'aura jamais besoin de recruter ici, hein, parce que... Ouais, Kislev décide de nous attaquer, ce qui est improbable. Oui, je... Toi, tu décides de nous attaquer. C'est assez peu probable, tellement. C'est ça. Globalement, je pense qu'on peut se passer de bâtiments de recrutement dans le coin. Alors, maintenant qu'on a mis des fessées un peu partout, est-ce qu'il accepterait un pacte de non-agression, notre coco? Pas encore, mais ça se rapproche. Argref, il commence à claquer du fessier, on va dire. Master of Runecraft. Eh ben écoute, je suis toujours un seigneur légendaire, je peux pas encore le confédérer. C'est dommage de pas avoir de rancune sur les batailles d'aventure. Oui. Ah, il décide d'attaquer, ça y est. Et c'est une victoire à la Pyrrhus, du coup. Qu'est-ce qu'on perd? Rien. Bon, allez hop. On prend la thune. En plus, on l'a annihilé, quoi. Genre victoire à la Pyrrhus, mais il lui reste que dalle. Bon, c'était des démons, c'est sans doute pour ça. Bah, et puis en auto, on a pas du temps, les victoires, c'est des victoires complètes. C'est rare, en auto. Fais gaffe, j'ai vrai que j'en fais peut-être pas tant. Ah, surtout avec les nains qui ont pas trop ce qu'il faut pour poursuivre, quoi. Moi, du coup, c'est pour ça que parfois, je trouve ça plus intéressant de faire une victoire. Une plutôt
toi avec plus de perks, mais où tu détruis complètement le l'adverse. Ouais, bah ouais, je comprends. Excuse-moi, je suis bloqué parce que il y a la fée enchanteresse qui m'a demandé de la diplomatie et je suis en attente de toi. Donc, oui, bah écoute. J'espère que ça n'a pas planté. J'en suis désolé, mon nom. J'ai juste que. Je suis confiant que ça va doucement, mais je suis voilà. Est-ce que elle donnerait pas un peu de sous? 76, bah c'est toujours mieux que rien. Hop. Un petit accord commercial. Lyonnaise, un accord commercial aussi. Bah écoutez, bah oui, bien sûr. Bien sûr, je commerce, moi. Carrément. Pour une fois que je regarde pas la diplomatie avant de passer le tour, tout le monde veut commercer avec moi. Voilà. A vaincu le prince démon, relation diplomatique plus 20 avec Kislev. Très bien. Ah, on a découvert une embuscade de Quick. Ouais, ah, ouais. Parce que t'as pénétré dans cette zone, ok. Mais je suis pas en guerre contre lui encore, donc. Oui, tu finis l'orc. Par contre, la gueule n'est pas morte encore? Non, il doit avoir un grand écart. Mais je sais pas où. Ah oui. On a réussi tueuse de vampire. Ah bon? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, affronter une armée menée par un seigneur lanceur de sorts. Oui, c'est sûr que vu comme ça. Ça nous donne quoi? 10 de sauvegarde invulnérable pour les gyrobombardiers. Ouais, bah ça va leur servir. Hein. Bon, bah du coup, toi, tu vas pouvoir recruter sérieusement. Putain, le mec il a pris 4 niveaux d'un coup sur cette bataille. Ça fait plaisir. Non. Ça, pourquoi pas. Ça oui du coup. Plus ça. Et on va te prendre. Ah bah t'as tout pris. Ok. T'as récupéré une armure, une hache. Vas-y, prends-donc. Les auxiliaires. Tu peux prendre une petite rune de fournaise. Pourquoi pas. Tac tac tac. Ouais. Ça serait pas mal quand même une petite rune de fournaise des familles. Voilà, prends donc ça. On manque un petit peu d'objets, mais faut dire ce qui est. Alors du coup, ce qui va plutôt recruter en fait, c'est plutôt toi, parce que ouais, t'es plein. J'aimerais bien te mettre. Allez, un petit comme ça. Là, non, ça m'en mettrait. J'aimerais bien que t'aies des canons en vrai, mais on a vraiment rien fait pour les canons, c'est un peu con de ma part. Du coup, t'as une bonne ligne quand même. Très très bonne ligne même. Une excellente ligne. On va. T'es bien en train de recruter le chaos. Ouais, moi aussi. Une armée avec rien. Ouais. Non, ça m'inquiète pas. L'autre, il a rien fait depuis tout à l'heure. Il est là, posé en mode campement, et ses rancunes montent. Donc, pourquoi je peux pas l'attaquer? Tu te fous de ma gueule? Allô? Attends, mais ne me dis pas que depuis tout à l'heure, il peut pas attaquer parce qu'il est coincé sur son petit pont, là. Sérieusement? Ok, on va aller dans la ville, on va voir. Ah mais d'accord, mais son armée est buggée en fait. Ah. C'est pour ça qu'il attaque pas. Je ne peux pas l'atteindre et il a dû se mettre dans un trou de texture et du coup il est coincé là. C'est un peu con, hein. Ça fait 200 de rancune qui sont à deux pas de moi là. J'ai perdu des tours à venir ici pour que dalle. Je suis un peu chafouin. Il y a chafouinerie là, ouais. Je vais pas dire le contraire. Bon, bah, tant pis, hein. On va voir s'il bouge. À un moment, il va bouger puis il va m'attaquer comme un gros connard. Je le sens bien arriver comme ça. On va développer le territoire, hein, du coup.
pareil, c'est parti. Putain, ça coûte tellement cher par contre. Ici, on se met en mode campement et on progresse vers Arcaon. Allez, c'est parti. La forteresse tortueuse. Ici, il y a une armée de son vassal. Correct, mais pas non plus. C'est parfait ce plan, viens. Hop. C'était là, ok, très bien. Ouais, je vais commencer à améliorer mes relations avec Karakadrin du coup. Je filerai au prochain tour. L'ordre public remonte, donc on va plutôt viser l'économie. Ici, l'ordre public est stable, donc on va viser l'économie aussi. Comme ça par exemple. Ah merde, il a vu le fric. Ça pour l'avoir au moins en global ce recrutement. Alors toi t'as pas bougé, est-ce qu'on peut te recruter quelque chose d'intéressant, un longbarme par exemple pour renforcer ta ligne, faire en sorte que tes gyrobombardiers puissent se balader tranquillement. T'as trouvé où le fric? Ouais, qui va arriver dans le dos, ce qui m'embête. Trois armées ici, il est où? Je le vois pas. Non, non, il est caché en fait. C'est, je l'ai vu grâce à grâce à une mission, des trucs de mission alliée. Ok. Ok, ok. C'est vrai que j'ai qui moi? J'ai la grande orthodoxie. Vaincre l'armée de Tecton le Rouge. Ah, bah oui, bien sûr, voilà. Voilà, défoncer, ça c'est pas un problème. Prochain tour, on termine nos recrutements. On avance jusqu'à lui. Et on le picote. Ah mais c'est toutes les armées qui ont l'invocation de gyrocoptère. C'est un truc temporaire ou... Même pas. Ok, et eh ben, écoutez. Très très bien. Tant qu'à nettoyer, autant faire briller. C'est ça. Alors, du coup, je suis obligé de contourner l'armée bloquée, quoi. C'est quand même très con. C'est quand même fort dommage. Un peu de diplomatie. Les fidèles de Nagash qui veulent un pacte de non-agression. Bah non, ça ira. Ouais, j'évite Nagash parce que... Surtout, le truc à l'autre bout du monde qui est en plus inclus dans ma mission, quoi. Donc, si jamais je vais là-bas, c'est pour lui péter les dents. Alors, toi, tu vas aller là. Hop. Et un petit coup de main. Ah, c'est toi qui fais de la diplo, là. Non. J'ai voulu prendre une amélioration de l'école des impériales d'artillerie, mais... Ça bloque. Bon. Ça ramasse un peu. Non, non. On va revenir. Pas de stress. Moi, j'ai fini. Bah, ouais. Moi, j'attends que mon héros ait fini de se déplacer à son rythme tranquille. Alors que revoilà Madame la sous-préfète. Quoique, on a aussi quelques références. Ah, ça me fait chier d'avoir perdu du temps à vouloir lui taper dessus pour 200 rancunes et du coup je vais pas. C'est où le problème? Peut être bien. C'est juste à côté de Malakai là, sur les terres du chaos là. Ouais. L'armée de Domptish là. Domptish. Alors en fait, ça fait plein de tours qu'elle est posée là, en campement, sans bouger. Et je me disais, bah, j'attendais qu'elle attaque la tour des tourments pour que ses rancunes augmentent, quoi. Elle l'a jamais fait. Et en fait, je ne peux même pas la sélectionner, quoi. Je peux même pas l'attendre. L'épée qui apparaît.
C'est pas parce que t'es en mode campement ? Non, j'avais... Avant, j'étais un peu au nord, je pouvais pas y aller. Je me suis dit, je vais dans la ville pour voir, je pouvais toujours pas y aller. Du coup, j'ai commencé à capitaliser sur le mouvement qui me restait, du coup. D'accord. Moi, j'ai fini mon tour. Je vais même partir du principe que il est vraiment... Il bougera pas, et puis je vais commencer à la contourner. Et puis c'est là où tu vas te retrouver avec l'attaque dans le dos. Ouais, bah même si elle attaque là, c'est pas grave. Bon, du coup, j'ai commencé à investir dans cette ville, mais même si elle attaque là, à la limite, c'est toujours pareil. À me faire de la rancune, je retombe dans le dos, ça va. Ce qui m'emmerderait, c'est qu'elle va se débloquer, genre quand j'aurai rasé toutes les villes et qu'il n'y aura plus que ça, ou une connerie du style. Disons, il va mettre le démon patate à sa tête, et puis ça va la faire bouger d'un millimètre, ça va la débloquer. Ah, qu'est-ce que tu me veux harner ça ? Tu veux me déclarer la guerre ? Mais on n'est même pas voisins du tout, quoi. Bah, moi, je veux bien. Ça peut-être que je pourrais me faire quelques vampires. Ah oui, c'est effectivement. Mais c'est très très loin. Elle a de la force, hein. C'est quoi cette espèce de dégage rouge là ? Rendre force 53, hein, c'est pour... Ah ouais, non, d'accord, ok, non, mais c'est parce que ça s'est inversé. Chez moi, il y avait un tout petit peu de vert et un énorme rouge. Non. Ah, petite attaque. Une petite résolution auto, perte faible, moi ça me va. Ça je peux faire, c'est très bien. Comment on plus 7, tac. Plus 8, tac. Allez. Moi, buter Wurzag en cadeau. Franchement. Ah, c'était l'armée de Wurzag en plus. Ouais. Ah, oui. C'est Wurzag qui m'attaque comme ça, quoi. Bon, écoute. Les disparus. Ah, l'une de nos. Ah, changer la difficulté. Il me propose de changer la difficulté. Non, ça y est. Changer la difficulté, c'est vrai. Ouais, quand en fait tu fais trop de missions, trop de quêtes en auto. Ah, trop de trucs, d'accord, ok. Ça m'est jamais arrivé, donc je dois vraiment pas faire tant d'auto que ça. Allez, on met un peu de reconstitution. Toi, tu recrutes encore un peu, puis je pense que tu vas traverser la mer pour aller t'amuser. Hein. Ok, on va commencer à passer en mode tunnel pour se bouger là, parce que c'est long. Non, mais elle a reculé l'armée. Ah, il est revenu là où il fric. Coucou. Ah, bah, c'est débloqué, elle a reculé. Parfait. Et bah, nickel. Tout n'est pas perdu, il reste un tour pour la poutrer. Ouais, à mon avis, elle est en marche forcée, elle va se barrer trop loin. Mais... Alors, Yanni Pierre d'Orage, est-ce qu'on va s'occuper du vassal d'abord ? Non, on va s'occuper de la forteresse tortueuse. Je suis en train de faire une sauvegarde auto. Enfin, une sauvegarde rapide. Je sais pas si je peux l'attaquer direct. Non, oui, peut-être. Je peux. Il y a combat là. Perte de justesse, perte moyenne. Ah oui, il a son armée pleine en plus de la garnison. J'ai des deux tanks à vapeur. Ah, tu commences à avoir des unités un peu efficaces. On n'est pas encore sur les canons. Hein, bah, on va la faire, celle-là. Victoire de justesse, perte moyenne. Oui, on peut la faire. Allez. Par contre, on la fera lors du prochain épisode. Ça ne t'embête pas. Oh, ça m'embête beaucoup. Du coup, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, bisous tout le monde.